Et bonjour à tous, bonjour tout le monde, pardonnez-moi du retard, j'étais en train de rechercher des ordinateurs d'honneur pour traiter l'ordinateur d'aujourd'hui. Voilà, c'était très fort, on baisse le son. Et salut Saya! J'espère que vous allez bien. Je suis un peu dans le jus. Ouais, la journée a attaqué très fort, très vite, et j'ai eu plein de choses à gérer, du coup. C'est un peu la bourre, c'est un peu le bricolage de stream, mais bon, c'est pas grave, on est habitué au système D. Bah écoute, la fatigue. La fatigue. La fatigue et la course un peu, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, qui n'ont pas pu être toutes faites. Mais on va s'en sortir, on va s'en sortir. Et toi, tout va bien? Donc, sans plus tarder, on va attaquer en fait sur le. Parce que comme je vous ai dit, en fait, l'objectif, c'est comme j'ai envie de refaire comme il faut l'arrière, il faut en fait que je vide un peu. J'ai trop de projets en cours, trop de sujets en cours. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de faire fonctionner. D'essayer d'être efficace en fait. C'est d'en réparer beaucoup plus, surtout qu'en plus, ça y est, j'ai la reprise. J'ai trois assos qui m'ont contacté pour des PC. Donc, je n'ai plus le temps de niaiser. Donc, il faut qu'on soit efficace. Qu'est-ce que tu racontes de beau sinon, Saya? Tout va bien? Du coup, paf. Ça va, je suis fatigué. Je n'ai pas beaucoup d'heures de sommeil entre m'occuper de tout pour mon fils. Vu qu'en plus, c'est moi qui prépare les repas de l'école et mes cours. Ah, parce que tu as repris les cours, Saya? Qu'est-ce que tu fais en fait, Saya? Tiens, discutons-en un peu. Salut JL! Bonjour les jambons, mes hommages à la pile. La pile te rend les hommages. Pile que j'expliquais justement qu'on est en train d'essayer de vider, histoire de faire un fond vert un peu plus sympa. Donc je sais pas à quelle rapidité on arrivera à vider les choses. Mais voilà, objectif. L'objectif est de vider un peu plus la pile. Donc aujourd'hui on s'occupe de ce petit. Déjà on commence avec ce petit Samsung qui, comme vous le voyez, a un écran oblitéré. Vous voyez, hop. Donc j'ai des candidats à la récupération d'écran. Voir du coup ce que ça donne. Qu'est-ce que tu racontes de beau, JL? Comment vas-tu? Pas si vous avez eu l'occasion de passer sur le live qu'on a fait du coup sur la chaîne de Pacou hier soir où on a fait de l'Overwatch histoire de changer un peu du dépannage. C'était bien cool, on s'est bien amusé. On a décidé qu'on refera sûrement ce format-là un peu de temps en temps histoire de déconnecter un peu. Alors oui, j'étais en restauration et là je fais une reconversion en ingénieur, en intégrateur développeur pour justement avoir plus de temps pour m'occuper de mon fils. Parce que j'habite en pleine campagne, je suis maman célibataire et absolument personne pour me prêter main forte. Ah oui, bah écoute, force et honneur à toi. J'ai énormément d'amis qui se sont reconvertis ces dernières années parce que justement leur métier de base ne convenait plus en fait au monde dans lequel ils vivaient. Donc du coup, je ne peux que te souhaiter tout le courage possible. C'est en train de finir les travaux et rangements de ma maison toute seule. Quand tu dis maison, t'as acheté une maison toute seule ou t'avais déjà une maison et tu t'es retrouvée toute seule? Bah écoute, comme j'expliquais, la journée, la matinée a commencé de manière très mouvementée pour moi. J'ai pas eu une minute pour me poser. Même ne serait-ce que respirer, juste respirer. C'était un peu compliqué. Du coup, j'étais content de voir l'heure de midi arriver et me dire, je vais rejoindre les copains. Je rejoins les copains, on va réparer des trucs, ça va être cool. On va vider la pile un peu, ça va être cool. J'aimerais bien vous proposer vraiment un fond un peu plus sympa. Peut-être que je remonterai un peu plus la caméra aussi. Bon après non, si je remonte la caméra, si je veux vous montrer des trucs et tout, c'est chiant.
Non, je sais pas. J'ai envie de faire quelques modifications au niveau du setup webcamien. Peut-être acheter une deuxième webcam et faire un deuxième point de vue quand j'ai envie de vous faire du. Quand on est en just chatting et quand on est en global, je sais pas. En tout cas, j'ai toujours, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, hein, j'ai toujours envie d'améliorer le stream toujours plus pour que vous ayez toujours une très bonne expérience de stream, que vous soyez content de venir ici et que du coup vous soyez content de revenir ici. Salut Doalou! Pas oublier de respirer, c'est important, effectivement. J'ai une maison, enfin c'est compliqué, je vis dedans depuis 5 ans et j'essaie de l'acheter parce qu'elle appartient à ma tante, mais notre terre traîne parce qu'elle ne vaut rien, du coup il gagnerait pas assez d'argent. Ah oui, effectivement. Eh ben écoute, une fois de plus, force et honneur à toi. Force et honneur à toi, Saya. C'est vrai que malheureusement, tu fais face à beaucoup de problématiques. Hey Beats. Hey Beats. Et merci beaucoup Doalou pour le Beats. Ça fait très plaisir. Ça fait plaisir de voir le Beats symbolique. J'espère que tu vas bien Doalou. Qu'est-ce que tu racontes de beau aujourd'hui? Comment vas-tu? Oups là. Alors normalement ce PC a été testé, il fonctionne. Contrairement à ce qu'on m'avait annoncé à la livraison. À la livraison, on m'avait dit le PC est HS, on te livre pour les pièces. Et en fait, il n'est pas HS. Enfin, si, il a l'écran qui est cassé, comme je vous ai montré. Mais en fait, il fonctionne parfaitement. Je l'ai testé sur écran externe et tout. Aucun problème. Du coup, on va essayer de le remettre en état. Surtout que bon, c'est pas un ordinateur dégueu. On va rapidement, maintenant que l'écran est démonté, rapidement refaire un test du Asus qui va être donneur de son écran. Vous savez, c'est le Asus qui a pris un nion de la part d'un joueur énervé, donc qui est en gros enfoncé ici et qui du coup ne démarre plus. Donc je vais être sûr qu'effectivement il ne démarre plus. Être sûr que le problème est bien toujours présent avant de lui dire. Avant de lui piquer sans vergogne son écran. Donc on a bien de la charge. Bah, on n'a toujours pas de mise en route. En fait, c'est tout ce qui se passe, c'est qu'on a de la charge. Mais par contre, il se passe strictement rien quand on appuie sur le bouton de mise en route. Donc je pense qu'il y a un composant qui a dû casser ici parce que vraiment le... Il y a d'ailleurs un autre endroit où il y a un coup. En fait, il y a un coup ici, il y a un coup ici. Donc je pense que ça sent la partie de jeu vidéo perdue et la rage d'avoir perdu cette partie. Ma vie est semée d'embûches, mais tout se passe bien. Dans 6 mois, j'aurai fini ma formation et je pourrai bosser et améliorer tout ça. Eh bien écoute, je te le souhaite, Saya. Je te le souhaite. Gros avantage, c'est que sur la chaîne, on a pas mal justement de développeurs, un peu intégrateurs et tout. Sur le Discord aussi. Du coup, t'hésites jamais. Hein. Si tu as des questions, si on peut t'aider en... Au secours. Si on peut t'aider en quoi que ce soit, n'hésite jamais. Ah, yeah. Ça sera un plaisir. L'objectif aussi, comme je l'ai déjà dit, hein, c'est aussi de vous aider dans votre quotidien et dans vos problématiques liées à vos emplois sur le Discord ou ici. Donc n'hésitez jamais. J'ai réussi à récupérer mon HP portable qui a pris l'eau. Eh ben écoute, bravo à toi Doalou. HP est la pire marque de PC portable. Alors, c'est pas la pire marque. En vrai, c'est pas la pire. Pour en faire beaucoup, c'est pas la pire. En DHS pour juste un écran mort. C'est du gâchis tout ça. Oui. Ah bah oui, mais justement, tu sais, ça fait un petit moment que tu viens. Tu sais que justement, nous, on se bat ici contre le gâchis. Et justement, on rachète ce type d'ordinateur pour les sauver d'un recyclage. Pour les sauver d'un recyclage promis. Permettra de télétravailler, éviter trop les transports, que du bon. Oui, c'est exactement ce que je veux, puisque je suis dans un coin totalement paumé.
crois que Discord serait utile pour m'aider dans la réparation des ordinateurs que j'ai récupérés. Bah écoute, dos à loup, be my guest, rejoins-nous sur le Discord, viens discuter, et on pourra sûrement t'aider là-bas. Tiens, tu me dis quoi si je te dis Advance? Je te dis que généralement, c'est pas une bonne marque. Ça prend feu et... Enfin... Non, après, on va pas s'arrêter sur tous les... Surtout les on-dit et tout. Bon, moi, j'ai à une époque, j'ai eu traité beaucoup de tours avec du Advance en alimentation. Et j'ai eu énormément de problèmes. Donc, Advance, clairement, it's a big nope. Alors, par contre, j'ai l'impression que c'est une dalle 30 pins que nous avons ici. Ce qui ne m'arrange pas du tout. Parce que c'est dire que je n'ai pas d'écran pour ce PC. Et putain... C'était sûr, en fait. C'était sûr. Chier. Alors si, j'ai un autre écran. Je sais où, il n'est pas en bon état, malheureusement. Mais bon, au moins à défaut de ne pas avoir un écran, et à défaut que l'autre ne serve pas. Bon, ici j'ai un bloc écran qui fonctionne. Fait chier. Toujours un peu la galère en fait, comme du coup il y a toujours des nappes écran, des petites évolutions et tout machin, c'est toujours la difficulté de savoir exactement qu'est-ce qu'on va trouver derrière un écran maintenant. Est-ce qu'on va être sur du 30 pin, est-ce qu'on va être sur du 40 pin, est-ce qu'on va être sur de la dalle fine, étirement. Directement, Doualou arrive, il pose étirement. Et bien étirons-nous. Comme ça, ça va me permettre de regarder derrière rapidement, voir si j'ai un PC 40 pins qui correspond. Je n'en ai pas, bien sûr. Ah si, mais si, bah si, j'en ai un là, et oui. Et oui, j'ai ce HP en très mauvais état, d'ailleurs. J'ai ce HP en très mauvais état, qui fonctionne. Bon, il a une configuration qui est rincée. Hein. Pauvre petit Intel Pentium, 4Go de RAM. Et surtout, il est cassé de partout. Hop, un peu d'étirement. Merci Doualou de penser. Prends soin de soi, c'est important. Effectivement, c'est très important. Je suis d'accord avec toi. Ça prend feu. Ah, c'est de la bombe. Effectivement, c'est de la bombe. Salut Gila, comment vas-tu? Et salut Electrochoc. Et merci beaucoup pour ton host. J'espère que tu vas bien. Passe une bonne journée. Bon, ce Asus, on verra ce qu'on en fait. Du coup, on va piquer l'écran de ce HP. Des fois, je suis malheureusement obligé de... Oh non, attendez. Je ne vais pas piquer l'écran de ce HP, du coup. Ah oui, c'est pour ça aussi que... Et je ne vais pas piquer l'écran de ce HP parce qu'il n'est pas compatible. Ce n'est pas un écran fin. C'est un écran épais. Des fois, je suis obligé, malheureusement, de scavenger certains ordinateurs, malgré le fait que j'aurais bien voulu les réparer, parce qu'il n'est pas possible de faire autrement. Est-ce que j'ai du 15 pouces 15 pouces d'alphine, 15 pouces d'alphine. 15 pouces d'alphine. Non. Du coup, le seul que je peux sacrifier, c'est celui-là. Hop. Alors, on va sacrifier un Sony Vaio que je traîne depuis bientôt maintenant. Depuis bientôt 6 ans que je le traîne. Plus gros des avantages des anciens ordi, c'est la conso électrique. Sinon, c'est... Oui, exactement. Ah, c'est gentil, Electrochoc, merci beaucoup. Et du coup, regardez en fait ce qui s'est passé. Cet ordinateur a été oublié sur une plaque de cuisson. Oui, ça arrive. Les gens stockent leur ordinateur portable sur une plaque de cuisson. Moi, vous savez, après... un peu plus de 15 ans dans le milieu, je ne suis plus étonné de rien. Donc en fait, cet ordinateur, pour être remis en état, il lui faut une batterie, il lui faut un lecteur, il lui faut le dessous, qui est quasiment introuvable,
Il lui faut bien sûr un disque dur. Et en plus, ah oui, puis il lui faut, oui, parce que ça a brûlé aussi de ce côté-là. Donc en fait, il lui faut toute une plasturgie. Il a une carte mère qui fonctionne, il a malheureusement un écran qui n'est pas en bon état. On a quelques points, là, vous voyez, là, ici, c'est un point. C'est des points physiques, en fait, sur la dalle. La dalle est rincée, les plastiques de tour d'écran est cassé de partout. Mais la dalle fonctionne, mais l'écran fonctionne. Attendez. Le PC fonctionne même. C'est juste que vu le nombre de problèmes, il n'est pas intéressant de le remettre en état. Surtout qu'en plus, il manque toutes les vis en dessous. Du coup, je vais garder la carte mère et le repose-poignet avec le clavier. Et je vais me débarrasser de cet ordinateur parce que comme je vous ai dit, ça fait 6 ans que je l'ai, qui traîne là-bas dedans, que je ne m'en sers pas. Et en fait, le problème qu'on a, c'est que ce sont les derniers Sony Vaio vendus en France. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous le savez, en fait, Sony a arrêté la vente d'ordinateurs portables en France. Ils sont concentrés sur le marché japonais et asiatique. Parce qu'il y avait plein de problèmes par rapport justement à la longévité des ordinateurs. Ils se prenaient procès sur procès. Du coup, ils ont arrêté de vendre des ordinateurs en Europe. Enfin, ils en vendent un peu encore en Allemagne, mais c'est tout. Du coup, en fait, c'est pour ça que je ne trouve pas de pièces... Enfin, je ne trouve pas de PC à compléter ou de pièces faciles pour ce modèle. Parce que, parce qu'il n'y en a quasiment pas qui se sont vendus par chez nous. Donc bon, j'ai un clavier AZERTY. Donc là, on va le garder en fait en l'état, le PC. Juste sans son écran. Écran dont j'ai besoin aujourd'hui pour remonter une machine qui est 24 fois plus intéressante. Meilleur processeur. Une carte graphique dédiée. Donc il y a tout qui est. Il y a tout qui est intéressant à récupérer en fait dans le Samsung que je suis sur le point de réparer. Et qui n'est pas intéressant de remettre en état dans ce petit Sony qui a une configuration vraiment très bas de gamme. On est sur un Intel Pentium. Il n'y a pas de RAM, il n'y a rien dedans. Il avait vraiment été vampirisé en plus le PC. Pas par mes soins. Hein. Moi je l'ai vraiment récupéré comme vous le voyez là. C'est-à-dire sans la RAM, sans le disque dur, sans rien. Et il a vraiment été oublié sur une plaque de cuisson. J'ai vraiment eu confirmation de l'ancienne propriétaire. Elle l'utilisait pour... c'était son vieil ordinateur et elle l'utilisait en fait pour regarder ses recettes de cuisine pendant qu'elle cuisinait. Et en fait, elle a allumé le mauvais feu. Elle n'a pas fait gaffe au feu qu'elle allumait. Et puis, elle est revenue dans la cuisine paniquée parce que bien sûr, ça sentait le cramer. Ouais, ouais, sur la plaque de cuisson. Ouais, ça arrive. Je passe le coup, j'ai parlé avec Cadeau reçu pain et son lot de remerciements. Bah, c'est cool, l'électrochoc. Ok. Oh, j'avais loupé cette info sur les Vaio en Europe. Ouais, bah c'est pour ça en fait que tu trouves plus... Salut Silda! Ça fait plaisir, comment vas-tu? Tu streams un peu plus tard ou pas? Savoir chez qui je raid du coup ce midi. Hop. Voilà, donc les plastiques, comme je vous ai montré, qui étaient défoncés à la base, du coup, viennent d'exploser. Littéralement, c'est à dire que j'ai regardé, j'ai les bouts de plastique qui sont partis. Le PC a eu une vie somme toute très compliquée. Je pense que c'était un ordinateur qui n'était pas trop aimé de son ou sa propriétaire. Parce que la personne qui l'avait, qui me l'a donné en fait, qui m'avait dit qu'il l'avait oublié sur une plaque de cuisson, elle l'avait récupéré genre peut-être 2-3 mois avant ça. Donc elle n'était pas propriétaire d'origine en fait du PC. Elle l'avait récupéré, alors je me souviens plus si elle l'avait acheté d'occasion ou récupéré pour rien ou on lui avait donné. Je me souviens plus trop l'histoire, je vous avoue, au bout de 6 ans. J'essaie de temps en temps de vider un peu mon esprit de toutes les informations inutiles que j'ai par rapport à tous les ordinateurs que je stocke. Parce que oui, je stocke beaucoup d'informations inutiles dans mon cerveau. Et de temps en temps, il y a du bien de faire un peu un flush. Alors par contre, si c'est une dalle spécifique... Si c'est une dalle spécifique ou si c'est du 30 pins, j'ai pas la possibilité de sauver ce petit...
Enfin, si, j'ai la possibilité, mais ça veut dire que je sacrifie un ultime ordinateur que je n'aimerais pas sacrifier. Mon PC de Diag. Bon, après, vous me direz, vu l'état, je pourrais le sacrifier en vrai. C'est du 40 pins, très bien. Ça me permet d'éviter de sacrifier mon PC de diagnostic. C'est quand même pas mal de le garder. Je suis malade, je fais lancer mon stream en mode documentaire. Ah merde! Bah écoute, Silda, bon courage du coup. Bah vous savez quoi du coup Même si t'es malade, tu veux quand même que je raide chez toi, Silda, ce midi? C'est toi qui me dis, si tu te sens pas de recevoir beaucoup de monde ou si tu veux faire un petit stream tranquille ou quoi que ce soit parce que c'est pas trop la forme. C'est toi qui me dis. Je sais que généralement vous aimez bien avoir la surprise, mais bon, quitte à t'avoir sous la main et que tu me dises que ça va pas bien. Je préfère savoir si ça te dérange ou pas. Histoire de pas trop te fatiguer, je sais ce que ça donne quand on est malade et que des fois le stream est un peu compliqué à suivre ou à tenir. Alors il y avait quelque chose qui avait coulé dans le PC. Encore un truc dont j'ai plein sur les doigts. Miam miam. On adore. C'est sympa, merci. Je passe mon tour au cas où. Bon, bah écoute, la prochaine fois, Zelda. En tout cas, en attendant, soigne-toi bien, prends soin de toi et reviens-nous en pleine forme. Je parle pas forcément quand je suis en stream parce que la plupart du quand je passe sur vos chaînes, la plupart du temps, je suis en réunion, j'ai pas la possibilité d'écrire ou quoi que ce soit. Mais je sais que j'aime bien traîner un peu tous sur vos chaînes. Pour regarder ce que vous faites. Même si j'ai pas forcément la possibilité de parler, au moins je suis là avec vous. Donc si t'es en stream quand je termine, je viendrai passer l'après-midi avec toi. Bon, après-midi qui va être très rapide pour moi, parce qu'au même format que ma matinée, je passe mon après-midi en réunion. C'est un peu le problème de la mission que j'ai actuellement, c'est que. On passe plus de temps en réunion qu'à faire avancer les sujets. C'est un peu triste. Mais bon, comme on m'a dit plusieurs fois, c'est comme ça et c'est pas autrement. Du coup, bah, c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors, ce petit Samsung, maintenant qu'on a changé l'écran, déjà, ça aurait été bien que je teste le PC avant de le remonter. Yes. Qu'on a bien un écran. Ah, alors il y a un disque dur dedans. Très bien. Il me semblait qu'il n'y avait pas de disque dur. Ah non, il y a bien un disque dur. Alors vous savez quoi? Comme d'habitude, on va aller lui mettre un petit SSD. Un petit SSD des familles. Puis bah de toute façon on va se retrouver dans le cas où il va falloir aller racheter des SSD. Parce que j'en ai bientôt plus. Il va falloir que j'aille voir mon fournisseur belge qui doit encore avoir quelques Drevo à vendre. Ah oui, en plus on a 8 Go de RAM dans la machine. Alors, je ne fais pas la pâte thermique. En tout cas, vous ne me verrez pas faire la pâte thermique parce qu'en fait. Ah, attendez, je l'ai déjà fait sur ce modèle. Vous savez quoi? Dans le doute. Vu que je ne me souviens plus. Ça coûte rien. Et bonjour à tous les viewers. Bonjour à vous. J'espère que vous passez une bonne journée, que tout va bien pour vous. N'hésitez pas à nous montrer votre présence et à venir discuter avec nous. On est en train de réparer un petit Samsung, donc un NP510RE, qui dispose donc un i5 3000 et des bananes, avec une AMD 7670HD, 8 Go de RAM. Donc là, on a déjà changé son disque dur, changé l'écran qui était hors service.
Là, on va changer le... On va refaire la pâte thermique et changer le disque dur par un SSD. Par palette, les SSD ou par conteneur directement. Oh, j'aimerais tellement... Salut Pega Live. J'aimerais tellement pouvoir en commander autant en vrai. Oula, le con, il s'est mis en route. What the fuck? Pourquoi il est en route? Comment il a pu se mettre en route? Je lui ai tiré le disque dur alors qu'il venait de s'allumer. Très bien. Une fois de plus, le fantôme dans la machine. Le PC qui se met en route. Comment tu vas, Pega Live? Qu'est-ce que tu racontes de neuf? Je crois que ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu. Oups là. Je reste sur ton live, mais je leur car très occupé. Bah écoute, bon courage, électrochoc. Je télétravaille, quoi. Et moi aussi, je fais des réunions dans le vide. Eh bah écoute, bon courage à toi, Pega Live. Je ne peux que compatir à ton malheur. La joie des réunions dans le vide. Non mais en vrai, ça me fatigue vraiment cette histoire de réunion dans le vide. Il y en a vraiment, on dirait que ils existent que parce que bah, ils arrivent à faire des réunions quoi. Genre histoire, je sais pas, de justifier leur place dans la boîte ou... Du coup, ça brasse du vent que pour brasser du vent. Et nous après, quand nous on veut travailler, par contre, bah du coup on peut pas parce que bah, on est en réunion. Donc là, j'attendais avec impatience notre live de ce midi pour vous retrouver, discuter avec vous, me vider un peu la tête. Et comme hier soir, j'attendrai avec impatience ma séance de sport à 16h30. Histoire de pouvoir oublier loin de chez moi, non, pas vraiment loin parce que c'est juste à côté. Histoire d'aller pouvoir justement continuer à remettre en état la machine qui me sert de corps. Histoire d'arrêter de souffrir le martyr dès que je me lève le matin. Après j'ai cherché, hein, comme on en a déjà parlé plusieurs fois pendant les lives. 11 ans sans rien faire. Je faisais de la marche, mais c'était tout. Et c'était de la marche en ville, hein, pour aller bosser et tout. Alors, certains me diront oui, c'est déjà mieux que rien. Le problème qu'il y a, c'est que reprendre du coup... reprendre à la salle et tout... Méthode agile. Bah, c'est même pas de la méthode agile, là. C'est justement... En fait, en gros, pour avoir été formé, justement, Scrum Master, méthode agile et tout, si la méthode agile était utilisée comme il faut, comme, justement, on est censé le voir dans la méthode agile, la méthode agile, c'est pas faire 8000 réunions, en fait. La méthode agile, c'est juste être efficace sur le boulot. Du coup, oui, en fait, tu fais des réunions dans la méthode agile, mais parce que à côté, t'as assez de temps pour pouvoir bosser sur tes sujets. Et en fait, les gens, justement, il y a beaucoup de boîtes qui partent du principe « Ah, bah la méthode agile, ça dit de faire des réunions, du coup, on fait plein de réunions. » Bah non, mais c'est non. La méthode agile, elle dit pas ça. La méthode agile, elle dit « On avance, et si on voit qu'on a assez avancé, on cale une réunion pour faire un point. » Or, la grande majorité de mes réunions, on cale des points juste histoire de caler des points. Ceux qui ont... Salut The Jills ! Les réunions, c'est un peu comme Twitter, ouais. Exactement ça, non-productivité ne sert à rien. Donc j'ai eu au fait confirmation de touche de clavier hier soir. Les 5% de remise, donc via le coupon Inforea sur le site touchedeclavier.com, sera normalement accessible à partir de la semaine prochaine. La personne étant revenue de congé hier et va s'en occuper d'ici la fin de semaine là. Oui, effectivement, j'avais pas changé la pâte thermique. Attendez, je reviens. Mission pâte thermique. Mission to Mars. Mission to Abort. Hop. Moi, j'applique la méthode The Jills. Ça marche mieux. Tu as bien raison.
Autant appliquer sa propre méthode quand toutes les autres méthodes n'ont pas fonctionné. Vous savez ce qu'on va faire d'ailleurs? Je vois qu'il y a que les puces mémoire sont juste positionnées là-dessus. Je vais essayer de voir s'il ne me reste pas des pads PAD thermiques. Parce qu'on ne met pas de pads thermiques hein, sur les pads mémoire. Sur les... Oups. Morceaux de pads thermiques durs qui sont tombés du coup. Mais oui, du coup, là-dessus, on met pas de pads thermiques. Hein, jamais. Ne faites jamais ça. C'est pas efficace. Et en plus, le pire, c'est quand vous allez vouloir le démonter, ça va être un enfer sur terre. Donc ne faites pas ça. Là-dessus, on met ce qu'on appelle des pads thermiques, PAD. C'est une espèce de petite mousse qui est thermoconductrice et qui vous permettra de justement faire bien comme il faut l'adhérence. Alors, poussons toute la vieille pâte thermique. Et bonjour à vous tous les viewers. Bonjour à tous, vous êtes 30. Vous êtes 30 à midi 32. Plus on avance, plus vous êtes beaucoup rapidement. Ça fait super plaisir. N'hésitez pas à venir vous montrer, n'hésitez pas à venir discuter avec nous, viewers de l'ombre, followers de l'ombre, subscribers de l'ombre. Ne restez pas dans le noir, venez prendre une petite mousse, venez discuter avec nous, on est bien. Pâte thermique, pâte thermique, pâte thermique, pâte thermique. Un chaos quoi, à quoi faire? Et les pads, on trouve ça où? Alors moi je trouve ça parce que je les récupère des ordinateurs en fait que je mets en... que je ne peux pas réparer en fait. Tu peux en acheter un peu de partout en fait, tu peux en acheter sur eBay, sur Amazon... How to transformer un PC en A380. Let's go! Alors, en tout cas, ça fait plaisir de vous voir toujours aussi nombreux. Enfin, de plus en plus nombreux, en fait. C'est même pas toujours aussi nombreux, c'est que chaque fois, vous êtes plus nombreux que les jours qui précèdent. C'est que ça veut dire que du coup, je raconte pas trop de conneries et que du coup, le format du live vous convient. Merci à vous. Alors, je vais voir ce qu'il me reste en pâte thermique. C'est pas sûr qu'il m'en reste beaucoup. Ou en tout cas, peut-être pas en bon état ou pas des propres. Parce que c'est principalement le problème que j'ai. Hey, Beats. Hey, Beats. Salut, Anonymous Cheerer. Et merci beaucoup à toi. C'est gentil d'avoir des... Donc bon, effectivement, les pattes sont pas très propres. Merci beaucoup pour le petit cheers, du coup. Je me suis un peu absenté. Qu'est-ce que j'ai manqué? Alors, tu as manqué le fait qu'on a galéré de... Ah non, t'étais encore là quand... Donc du coup, on a piqué l'écran d'un Sony Vaio. On a testé le démarrage du PC, ça s'est bien passé. Là, je suis en train d'essayer de récupérer des pads thermiques... permettant de transférer un peu mieux le refroidissement des puces mémoire. Bon, ils ont déjà utilisé, ils sont pas forcément en très bon état, mais c'est toujours mieux que rien. Rien, ce qui est actuellement le cas. Hop, et c'est celui-là que je veux. Et sinon on était en train de discuter. J'ai décidé d'ouvrir la machine alors que j'avais dit que je le ferais pas parce qu'il me semblait que j'avais déjà fait la pâte thermique. Heureusement que je ne suis pas resté sur un acquis parce qu'en fait je n'avais pas fait la pâte thermique. C'était confirmé. Enfin, que je m'achète une pâte. Que je mette un bout un peu plus grand pour la récupération des pâtes thermiques.
J'en ai un peu de toutes les couleurs, de toutes les formes. Là, il m'en fallait des pas trop épais pour justement éviter. Là, normalement, ça devrait être bon. Alors, on va faire un test. On va voir déjà si au remontage, les pattes thermiques ne sont pas trop épais. Parce que, en gros, le problème qu'il y a, c'est que si les pattes thermiques sont trop épais, vous ne remettrez jamais comme il faut du coup le système de refroidissement. Et vous avez un risque du coup de surchauffe du PC. Donc très important. Vous ne pouvez pas forcément savoir ce qu'il vous faut tant que vous n'avez pas testé. Donc il faut en fait monter les pattes thermiques. Et il faut vérifier après si si la puce graphique. Parce que c'est souvent, de toute façon, les pattes thermiques sont nécessaires autour de la puce graphique. Mais là, du coup, il semblerait que ce soit bon. J'ai pu aller jusqu'au bout. Le pad thermique s'est bien écrasé ici. On le voit dépasser. On le voit dépasser ici aussi. Donc, c'est bon. Donc, c'est-à-dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est que ça s'est bien passé. Voilà. On rebranche la batterie. Batterie qui a l'avantage de tenir encore, parce que généralement quand c'est avec ces batteries plates là sur des modèles qui ont un peu d'âge, elles ont tendance à lâcher avec le temps et celle-là tient encore, donc ça fait plaisir. Dommage que la personne ait masqué son pseudo. Ouais. Salut Nerloc! Bonjour, est-ce que les PC portables que tu remets en état de marche, est-ce que tu les mets en vente? Alors, oui et non. Je m'explique. Oui, je vais vendre certains ordinateurs qui sont remis en marche, pas tous. Parce que je privilégie, comme on en avait déjà parlé sur la chaîne, je privilégie les dons aux associations et aux écoles. Parce que ce sont des organismes qui sont un peu oubliés de notre société et malheureusement les aides ne suffisent pas généralement à ce qu'ils aient les ordinateurs qu'il leur faut, notamment pour travailler, pour le matériel qu'il leur faut. Donc ça c'est non, effectivement je les donne principalement et en fait oui je vais devoir en vendre parce qu'il faut que je trouve le moyen d'auto-financer en fait ce que je fais. À savoir que comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, le rachat des lots que vous voyez derrière, le rachat des pièces détachées et tout me coûte assez cher. En gros, je dépense à peu près par mois entre 400 et 800 € pour acheter des pièces, pour acheter des PC, pour remettre en état des PC et tout. Donc en fait, je ne peux pas continuer financièrement, je ne peux pas continuer comme ça, sinon je plie bagage, pardon, et je ferme la boutique, enfin la boutique entre guillemets, mais j'arrête ce que je fais. D'ici 2-3 mois. Donc l'idée en fait ça va être de revendre quelques ordinateurs, téléphones ou consoles, dépendant de ce que j'ai effectivement en dépannage, mais de revendre 2 ou 3, 5 grand maximum par mois, pour justement histoire de pouvoir continuer à faire ça et que je sois pas tout le temps dans le rouge. L'objectif aussi est de proposer des prix dégressifs aux followers et aux subscribers. Afin que qu'il y ait un intérêt en fait à ce que vous posiez votre follow ou posiez votre subscribe à la chaîne. L'idée était de proposer 40% de remise sur l'achat de l'ordinateur, console, smartphone, tablette, à un subscriber et 20% à un follower. Donc l'offre n'a pas encore été créée, je n'ai pas encore l'auto-entreprise en route, donc ça c'est uniquement quand l'auto-entreprise sera validée. Le dossier d'inscription a été envoyé et tout, donc une auto-entreprise est sur le point d'être lancée. Et une fois que ce sera validé, vous aurez du coup un petit message qui rappelle effectivement les remises que vous pourrez avoir en tant que viewer, en tant que follower, en tant que subscribers. Et salut Formazer!
Tu as un lien Streamlabs. C'est-à-dire un lien Streamlabs. J'utilise Streamlabs, mais je comprends pas ce que tu veux dire par j'ai un lien. Hop. Aussi, je dépense par mois pour les réparations et achat de matos, pièces détachées. Oui, bah voilà, ça coûte cher. Mais t'es auto-entrepreneur, toi, électrochoc, ou tu fais ça de ton côté? Je voulais toujours te demander, j'ai chaque fois oublié. Parce que tu m'as dit que des fois tu bossais avec des boîtes et tout, donc je pense que t'es auto-entrepreneur, mais je t'ai jamais demandé validation. Pourquoi? Bon, il n'y a rien de très intéressant à vous raconter pour l'instant. Je suis juste en train de remettre le SSD dans la dans sa cage. Pour pouvoir le rebrancher à l'intérieur du PC. Hop. Howdy. Howdy à toi, Tilsan. J'espère que tu vas bien today. Qu'est-ce que cette vieille voix? Qu'ai-je fait de ma vie? Au secours. Qu'est-ce que tu racontes de beau, la frangine? Tout va bien aujourd'hui? Well, well. Well, well, well. Bon, du coup, comment ça s'est terminé, le feuilleton, avec avec Top Achat et MSI? Est-ce que tu peux bien retourner le PC alors que la garantie est quasiment terminée ou pas? Je rachète des téléphones. Pas cher. Pas cher! Oui, effectivement, Telly rachète votre téléphone, votre grand-mère, votre maison, votre... N'hésitez pas à la contacter si vous avez du matériel à vendre. Il se fera un plaisir de vendre cela dans son magasin après-derrière. Principalement des téléphones. Plus pratique pour la gestion et pour les envois. Hop! Donc là, normalement, si tout se passe bien, notre PC est prêt. My reflection... Ah, et puis la charnière, à l'avantage d'une chose, c'est comparé à tout à l'heure, elle est quand même vachement plus solide. In this broken mirror is a program in my head. Comment j'ai pu me tromper d'embout de chargeur? C'est celui-là. 'Cause you make me feel better. Alors. Paf. Paf. Alors si tout fonctionne bien, comme d'habitude, on va commencer à faire l'installation ici. Oh, trop bien! Regardez, quand vous branchez le PC alors qu'il est éteint, on a un écran avec l'heure et tout dessus. C'est trop cool. J'aime bien Samsung parce qu'ils font toujours des petits trucs comme ça. Sur leur PC portable. Bon, la dalle est vraiment de, par contre, très mauvaise qualité, hein, c'est dommage. Alors, Drevo. My reflection in this broken mirror.
Is a program. Donc là, je suis en train de lancer l'installation. Salut Franck! Ah, avec, vu que tu utilises Streamlabs, tu peux créer un lien pour que des personnes puissent te faire des dons en live. Ah oui! Pardon. J'ai créé la live avant la fin de garantie, donc s'ils font la gueule, je les défonce. Oui, d'accord, Doualou, je comprends mieux. Alors, du coup, c'est pas fait. Alors, si, c'est en vrai, si, c'est fait. En vrai, si, c'est fait. En vrai, si, c'est fait. Si tu regardes ma bio... Si tu regardes ma bio, il y a un truc pour donner des tips. Ouais, si. Il y a ça, en fait. C'est ça qu'ils m'ont fait configurer sur Streamlabs. Ah non, c'est Stream Elements, pardon. Attends, tu m'as demandé du... 5 euros en ESP, 8 en bon achat. Pour les pièces. Ça peut être pratique de le mettre dans ta bio. Ma grand-mère en pièces détachées, non, ta grand-mère au cas où. Il est sous Android cet ordi. Non, non, pourtant il est sous Windows. Tout ce qu'il y a de plus normal. Enfin, quand je l'ai reçu, il était sous Windows 8. Avec l'ancien disque qui est là. D'ailleurs, ça fait un disque de plus à tester. Hop là. Avec celui-là aussi d'ailleurs. Oups. Alors, j'ai fait un PC hors live hier. Je vous ai fait des infidélités, le chat. J'ai été obligé en fait de préparer un ordinateur pour une cliente qui est venue me le poser tard et qui devait à tout prix le récupérer aujourd'hui. Du coup, je l'ai fait en hors live. Bon, j'ai passé la nuit dessus. C'est pour ça que je suis un peu fatigué. Vous l'avez pas forcément vu parce que en plus je jouais avec Paku Paku à Overwatch hier soir. C'était bien cool, hein. Comme je le disais tout à l'heure, on se refera sûrement ça. Donc bon, voilà. L'installation débute. On va le poser à côté et on va attaquer autre chose. Alors si, on va juste faire un truc par contre pour pas perdre les vis du Sony Vaio. On va repositionner l'écran qui est hors service. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de remettre l'écran ? Moi aussi. Si, parce qu'au moins si je le teste, même si l'affichage à l'écran est cassé, si j'ai besoin de retester le PC pour savoir s'il fonctionne, au moins j'aurai de la visibilité sur il s'allume ou il s'allume pas, quoi. Donc s'il y a quand même un intérêt de lui remettre son bloc écran. Parce que lui il va partir du coup, il va passer de la pile à là-bas. Dans la partie stockage des ordinateurs. Pardon. Alors du coup, quoi ? Trahison disgrâce. Qu'est-ce qu'il y a, trahison disgrâce ? Welcome. Cette somme pour acheter les composants électroniques. Et salut à toi, maître Yoda 2A. Et bienvenue. Bienvenue parmi nous. Est-ce que vous pensez qu'on atteindra les 50 followers avant les 450 followers avant la fin de ce live ? Le dos droit. Le dos droit qui est pour l'instant une récompense de chaîne qui n'a gagné aucun... qui n'a aucun son pour notifier qu'elle est là. Mais pourtant, elle est bien là. Merci beaucoup, du coup, Maître Yoda, pour ton... pour ton petit follow. J'espère que tu vas bien. Comment nous as-tu trouvé ? Comment as-tu débarqué parmi nous ? Putain, par contre, j'en ai marre des allergies, là. C'est chiant. Hop. Alors, bon, le Samsung bosse par terre. Qu'est-ce qu'on se fait maintenant ? Alors, je pense qu'en fait, on va se faire... quelle heure il est ? 12h50. On veut la chanson de 13. Merci, je suis vraiment tombé par hasard, mais je trouve l'initiative vraiment cool. Eh ben, écoute, merci à toi, Maître Yoda. Ça me fait super plaisir. N'hésite pas, installe-toi. Et puis si t'as des questions sur ton matériel perso ou que tu veux qu'on t'aide sur l'entretien ou que t'as des questions de manière même globale, t'hésites jamais. On est là pour ça, on est en famille, on est posé, on est entre passionnés en fait et personnes qui sont aussi sensibles à l'état de l'environnement. Donc voilà, n'hésite pas, installe-toi avec nous.
Alors, on va rapidement regarder cet ordinateur qu'on m'a donné du coup quand la personne est revenue récupérer l'ordinateur d'hier ce matin. Alors, c'est une vieille poupougne, hein. C'est un format bizarre, un format fourni par HP à l'époque, du 16 dixième en 12, 11 ou 12 pouces. On est avec un AMD Neo 64. Alors, moi je les connais bien ces ordinateurs parce que j'en ai beaucoup récupéré à une grande époque. C'est vraiment de la merde. C'est un processeur qui était déjà asthmatique et sous-dimensionné à l'époque. Donc c'est un ordinateur qui date de 2008. Donc autant vous dire que sous-dimensionné et asthmatique en 2008, en 2021, ça va être un peu la guerre. Est-ce qu'il s'allume ? Déjà il s'allume, il a un disque dur, je viens d'entendre démarrer. Il ventile à fond, c'est normal. C'est un HP avec du Neon 2, du Neo 2. Il était en veille prolongée. L'ordinateur n'a pas servi depuis quasiment 7 ou 8 ans. Ça fait un petit moment qu'ils ont arrêté de l'utiliser. Et l'ordinateur était en veille. Alors bien sûr, pour des raisons de confidentialité, je ne vais pas montrer l'écran. Et on remettra le PC à zéro. Je viens de voir que l'écran de protection de mon tel est ultra cassé. Je vais faire petit joueur en t'accompagnant pour le remplacer. Bah écoute, ça y a... Déjà, il n'y a personne qui fait effectivement petit joueur. Tout le monde commence à un endroit. Il faut d'abord savoir commencer petit avant de taper grand. Comparé à ce que moi je fais aujourd'hui, avant j'ai commencé tout doucement. J'ai commencé avec des vieux ordinateurs, des vieilles consoles, et au début je réparais rien. Je cassais plus que je ne réparais. Et regarde où j'en suis aujourd'hui. Il faut commencer de toute façon à un moment. Ces petits joueurs veulent les réparations que j'ai déjà faites sur des ordinateurs. Ah, parce que tu répares aussi des ordinateurs, Saya ? Tu me l'avais peut-être déjà dit, mais bon, vu que j'ai une mémoire de poisson rouge, il se peut que j'ai oublié. Et auquel cas, je m'en excuse. Mais je savais pas que tu bricolais aussi. Ouais, c'est ça. Alors, mince. Ah, putain, il m'avait donné le mot de passe. Ouh. Alors, le PC a frisé. Welcome. Le ventilateur est à fond et le PC a frisé. Salut, chaîne uniforme. Ah non, c'est bon, il s'est réveillé. Non, il s'est réveillé. Il m'avait donné le mot de passe et je l'ai oublié. Putain. Je l'ai pas tapé à cette fois sur l'ordinateur, du coup j'ai oublié. Et parce que pareil, l'ordinateur qu'ils m'ont donné à réparer hier soir avait lui aussi un mot de passe. Et pareil, du coup j'ai été obligé de l'utiliser... Alors, on a un effet bizarre. J'ai juste demandé de se déconnecter pour éteindre l'ordinateur et lui couper sa... Il y a un truc qu'il a pas trop aimé. Alors, sinon, c'est qu'il... Ah non, c'est parce qu'il était encore en train de réfléchir. Tu as dû rater mon message tout à l'heure, mais j'ai déjà changé écran, clavier DD sur un ordinateur. D'accord, ça y est. Bah oui, je suis désolé, j'ai dû effectivement louper le message. Pardonne-moi. Bonjour. Le HP be like, suddenly no. Effectivement, bon bah en tout cas il fonctionne. Je vais voir pour faire sa restauration à côté. Parce qu'il faut que je contacte l'ancien propriétaire pour lui redemander le mot de passe. On va faire ça tout de suite d'ailleurs, histoire de ne pas oublier. Pendant ce temps, Cortana... Voilà, hop, c'est envoyé. Donc toi, la région est France. On est efficace en ce moment. On entend des PC. Votre clavier est configuré en... Tu as loupé le mien aussi. Salut Fanitech. Et oui, de temps en temps... Attends, j'ai loupé le tien. Où ? Ah oui. Oh la vieille bébête. Effectivement, j'ai loupé le tien parce que je pensais qu'il était plus haut. Pardon, du coup, Fanitech. Bonjour à toi. Bonjour, je suis Cordana, je suis là pour vous aider. J'aime bien faire ça, mais pour le boulot, j'aime travailler sur Mac. Et je suis beaucoup moins à l'aise pour bidouiller des Mac par rapport à Windows. Alors,
Oh, on va profiter que... Non, je rigole. Mais en fait, le problème qu'il y a principalement, c'est qu'avec Mac, tu peux rien bricoler. Pour rappel, un Mac, c'est un bloc écran, un bloc repose-poignet intégrant le clavier, le touchpad et la batterie qui est collée. Et un bloc carte mère. Et bonjour à... Et bonjour, du coup, et bien... Pas bonjour, mais merci beaucoup, du coup, Maître Yoda, pour le sub. Ça fait super plaisir. Merci énormément pour le support à la chaîne. Donc, pour rappel, tous vos petits subs, les petits cheers, les petits dons, ça part dans la réparation et la récupération de tout ça. Donc, merci énormément. Si, si, Mac, tu peux bidouiller. J'ai une amie qui a fait changer son DD et son clavier. Alors, oui, ça devait être du vieux, mais aujourd'hui, ça se fait plus, ça. C'est garanti sur facture, du coup, ça y a, parce que j'en fais malheureusement beaucoup des Mac et j'annonce très souvent le décès, en fait. Parce que du coup, comme t'as un bloc écran, le bloc écran, c'est entre 800 et 1000 balles. Le repose-poignet, dépendant si t'as le touch bar, entre 300 et 600 balles avec le touch bar du coup. Et la carte mère, c'est entre 1000 et 2000 balles. Problème, j'ai une montre connectée qui indique tombe de battement de cœur à réparer avec écran tactile. Et bah bon courage électrochoc. Et salut arc-en-ciel. Et bah c'est vrai que j'ai un iMac assez récent qui se démonte moins que mon vieux MacBook Collector de 2007. Ah bah garde-le bien du coup, hein, ton vieux MacBook Collector de 2007. J'ai bientôt d'ailleurs, j'ai vu qu'il m'avait écrit l'ami Mang Frérot, mais j'ai, il veut passer pour me faire entretenir l'iMac de son père, qui est un 2008 ou un 2009, avec une problématique avec un disque dur à changer, je me souviens plus quoi. Donc, mais ça, je pourrais pas le faire en live, je pense, ou peut-être pas, je sais pas. Ça dépend quand est-ce qu'il sera dispo pour me l'amener en fait l'iMac. Enfin, vous me direz, après, au pire, je le lancerai en live si c'est en soirée. Et il a pris... C'est comme s'il avait pris une pointe de compas, en fait, ici, le PC. Mais oui, Telly, oui. Oui. Mais bon, faut faire avec. Hop. Alors, on va connecter son réseau, on va faire comme d'habitude, connexion du réseau. Hop, alors, on va lancer ses mises à jour comme ça, il bossera par terre pendant qu'on fera autre chose. Allez, let's go. Du coup, quel est le prochain? Comment ça va du coup, arc-en-ciel? Oui, bah c'est vrai que j'ai un iMac assez récent qui se démonte moins que mon vieux MacBook. Oui, mais ça j'avais lu ça. Oui, bah j'ai cherché pendant longtemps ce Mac, c'est pour ma collection, il fonctionne parfaitement. J'avais un souci pendant un moment de clavier et de pavé tactile. Petite nappe à changer que j'ai eu à 12€ sur Amazon. Et bah écoute, ça va très bien, merci beaucoup. Mais du coup, c'est quel modèle exactement Fan High Tech du coup que t'as de MacBook? C'est le blanc ou le noir ou les argentés, les MacBook Pro en fait, les pas unibody, je me souviens plus comment il s'appelait à l'époque. Ah, c'est un white. Ah, il est bien, ils sont bien les white. J'en ai bah d'ailleurs Telly qui est dans le chat qui en avait un aussi que je lui avais filé. Bon là maintenant elle a un 2009 qui a malheureusement le clavier qui est hors service, mais avant elle avait un 2006 même, c'était un fin 2006 début 2007. Désolé, j'étais en pleine concentration pour poser correctement l'écran du coup. Raison de plus pour ne pas toucher mon Mac si maintenant c'est encore plus compliqué. Ouais, bah maintenant c'est même pas que c'est compliqué, c'est que c'est impossible en fait. Comme tout est soudé sur la carte mère, il n'y a quasiment plus rien à faire. Du coup, quelle heure il est? 13h. 13h, 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 13h.
Merci. Trésor, on va essayer de voir. On va essayer de voir pour ça. Cette pelletée de Azus. Par contre, pour traiter la pelletée de Azus, il me faut les écrans 17 pouces. Les écrans 17 pouces qui sont juste là. Donc il faut que je range tout ça d'abord. Et merci beaucoup, vénérable Gila. Ouh, merci à toi, maître Yoda. Merci énormément à toi, maître Yoda. Shut up and take my money. Ça rigole plus, maître Yoda, qui vous a offert plein de subs, les amis. N'hésitez pas à le remercier dans les commentaires, vous aussi, parce que vous venez du coup de gagner un petit abonnement gratuit. Shut up and take my money. C'est super cool. Bah, merci énormément, maître Yoda, qui vient juste d'arriver et qui du coup sub tout le monde. Ça fait trop plaisir. Alors, il faut une dalle 30 pins. Shut up and take my money. 30 pins, D. J'aime pas trop quand il y a écrit D derrière. Et une dalle 30 pins. Hop, voilà. Shut up and take my money. Ça fait super plaisir. Ouh. Je m'attendais pas à trouver des trucs ici. Pourquoi il y a des trucs ici? Ah, qu'est-ce que j'aime cette musique? Quelle aventure! Quelle aventure cette musique! Je mets un peu fort et après je rebaisse le son, promis. Allô, bonjour mon capitaine. Nouvelle journée, qu'est-ce que j'ai à raconter? Encore une fois, choper migraine. Toutes ces têtes de compromis, je vais les défoncer. Je commence tout dès avec une vieille et son putain de bichon. Non, mais en fait, c'est pas comme ça que je le fasse. J'aurais fait la même, il a eu raison, pas de remords. J'ai un rapport de toutes les plus belles histoires qui s'y barrent, j'ai pu voir. Voilà. Comme ça, vous m'entendez quand même. Du coup, objectif. Objectif. Wow, putain, j'ai un coup de barre. La carte mère de celui-là est hors service. J'ai besoin de vous, je répare avec l'aide de iFixit. Vous en pensez quoi? iFixit, il n'y a pas plus fiable que leur site. Aussi bien leur matériel que les pièces détachées. Il n'y a pas plus fiable qu'iFixit. Hein. C'est ma référence. Donc ici, donc bon, il manque une touche. Il y a de fortes chances qu'une partie du clavier ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je voulais dire aussi là-dessus? La carte mère est hors service. Et en fait, j'ai récupéré deux épaves. J'aime pas trop quand ça fait crack par contre. Donc j'ai récupéré ces deux épaves, je ne sais pas leur état, je ne sais pas s'ils fonctionnent ou pas. C'est dans des états un peu... Donc en fait l'objectif ça va être d'y mettre, vu qu'ils ont de la RAM soudée. Hop. Hop, on va pas tout brancher, on n'a pas besoin de tout. J'ai juste besoin de voir si j'ai quelque chose à l'écran. Si j'ai quelque chose à l'écran, c'est que la carte mère est OK. Auquel cas, let's go. Si c'est pas le cas, et ben on testera une autre carte mère. Bon, il a été démonté un peu à la va-vite ce PC, donc il est dans un état somme toute étrange. Enfin pas étrange, mais pas bon.
Il me faut une dalle 40 pins. Hop. Voilà, ligne HS. Ah non, vous ne voyez pas. Et bah, you're welcome, Dalou. Doalou, pardon, Dalou. On est là pour ça, justement. Pour vous aider aussi. Du coup, il me faut le chargeur. Alors bien sûr, oui, le chargeur est déjà utilisé par le Samsung. Du coup, le Samsung va passer un peu de temps sur batterie. Meurs pas, STP Samsung. J'ai perdu le connecteur qui est juste là. Hop là. Bon, lui, qu'est-ce qu'il en dit, du coup? Si on l'allume. Est-ce qu'il s'allume? Normalement, il devrait s'allumer, celui-là. Enfin, si il y a toutes les pièces qui sont nécessaires à l'allumage du PC sont présentes. Ah non, il a pas de RAM intégré, celui-là. Bon, alors, normalement, ce pourquoi j'étais persuadé que ça devait fonctionner, c'est qu'ils ont tous une barrette de RAM intégrée sur celui-là. Ce qui n'est pas le cas de ce modèle-là. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas d'allumage. Et comme il faut une RAM. Pour une petite barrette à la con, une 2 Go. On va mettre une 4. Ma 4 de test, elle est où? Elle est ici. Alors il faut que j'enlève ça. C'était quoi ce bruit? La meilleure ref étant... Alors, je ne pense pas être la meilleure ref électrochoc. Hein. Je n'ai pas le niveau d'iFixit et je n'ai pas le matériel qu'iFixit. Je ne suis que quelqu'un qui répare des ordinateurs tranquillement dans son coin, qui essaye de vous sensibiliser un peu à la réutilisation... Et justement, qui essaye de vous inciter aussi à en faire de même chez vous. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Des fois c'est des victoires, des fois c'est moins des victoires. Ce sont des choses qui arrivent. Mais non, non, je ne prétends pas être excellent, je ne prétends pas être une référence ou quoi que ce soit. L'objectif étant, comme je le disais, que ce soit que vous déjà vous preniez du temps et de l'énergie à venir me voir, à venir passer du temps ici. Ah, donc déjà ça démarre. C'est plutôt une bonne nouvelle. Normalement, il devrait démarrer sur le BIOS. Donc, on a un Intel Pentium. Welcome. Salut Axwell Roswell. Oh, on est à un follower des 450. Ça fait plaisir. Oula, mais vous êtes beaucoup à être arrivés d'un coup. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Vous êtes les plus beaux. Merci à tous d'être venus. Tu me vexes, tu es mon modèle. Mais non, te vexe pas. Électrochoc, tout va bien. Comment vas-tu, Axel Roswell? Comment nous as-tu trouvé? Et bienvenue, du coup, à notre 450e follower, KTL BZH, un ami breton. Bienvenue, ami breton. Hakuna Matatix. À partir de quelle année peut-on considérer qu'un ordinateur ne vaut pas le coup d'être réparé? Alors, c'est pas forcément une problématique d'année, c'est principalement une problématique d'état. Là, tu vois clairement, j'ai les plastiques du bas, j'ai une carte mère, j'ai pas d'écran, j'ai... L'ordinateur, là, pour le coup, celui-là, est dans un trop mauvais état pour véritablement être rentable à la réparation. Par contre, c'est bien qu'ils soient en 40 pins, Ah non, ça m'arrange pas du tout qu'ils soient en 40 pins, en fait.
Ça m'arrange pas du tout qu'ils soient en 40 pins en fait. Est-ce qu'on pourrait pas le passer en 30 pins celui-là? S'il est en bon état en fait, genre t'as juste un disque dur à remplacer ou quoi que ce soit, ça vaut le coup qu'il serait de le réparer en fait. C'est pour ça que je dis c'est vraiment pas une question d'âge, mais c'est vraiment une question d'état. C'est... En fait c'est plus une question de le prix que ça va te coûter à le remettre en état. Parce qu'on a vu plusieurs fois dans le live que des ordinateurs de 2007-2008 étaient encore fonctionnels pour des systèmes d'exploitation récents. Des versions de Windows, des versions de Linux. Très intéressant ce que tu fais d'ailleurs. Tu fais quoi? Alors, tu as fait des études dans ce milieu ou pas du tout? Alors, je vais répondre à vos... Je vais commencer par Axwell Roswell. Et je continuerai avec toi, du coup, Maître Yoda. Donc, en fait, ce qu'on fait sur la chaîne, je rachète des lots d'ordinateurs. Je rachète des lots, on me donne des ordinateurs, on m'abandonne des ordinateurs en fait chez moi parce que je bricole et j'adore ça. Et en fait, je suis énormément sensible à la cause environnementale en fait et à tout le bordel que ça coûte à l'environnement derrière. Donc en fait, l'idée que j'ai, c'est de réparer les ordinateurs. De récupérer des lots, racheter des lots, énormément de lots, de récupérer énormément d'ordinateurs, je les stocke ici, et en fait, je les répare avec vous. Donc comme ça, bah, je vous montre en plus comment ça s'entretient, qu'est-ce qu'on peut faire, et tout. Et après, l'objectif derrière ça, c'est de les donner à des associations, ou à des écoles. Et histoire de justement leur redonner une vie, d'aider aussi les associations et les écoles qui malheureusement sont souvent un peu oubliés de notre société. Faut le savoir. Hein, pour travailler avec beaucoup d'associations et d'écoles, c'est souvent très compliqué pour eux d'avoir du budget pour remplacer le matériel, voire même juste pour faire entretenir le matériel. Je connais plein de profs qui utilisent leur matériel personnel, leurs ordinateurs personnels, pour donner cours, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est clairement pas normal, ça ne devrait pas arriver. Et pourtant, malheureusement, c'est énormément le cas. Donc en fait, moi, mon objectif, c'est justement d'aider la planète en permettant ainsi de pouvoir réutiliser du matériel qui est considéré comme obsolète, qui est considéré comme HS ou quoi que ce soit, et derrière, d'aider les associations et les écoles en leur fournissant du matériel quand elles en ont besoin. Ah. J'allais dire merde, j'avais deux dalles 30 pouces, 30 pins. Welcome. Et salut à toi, Crablistomunista del Pompa. Crablistomunista del Pompa. Spap de la Pompa, pardon. Bienvenue à toi. Et du coup, Maître Yoda, pour répondre à ta question, j'ai fait des études dans ce domaine-là, mais j'ai fait des études en tant qu'ingénieur système et réseau, mais bien que je ne fais que du système parce que je n'aime pas le réseau. Et en fait, tout le reste, tout ce que vous voyez sur la chaîne, j'ai tout appris en autodidacte. Alors, j'ai beaucoup appris grâce à mon père sans qui je ne serais pas là dans tous les sens du terme, qui m'a appris énormément, qui me parle. Ça m'envoie des SMS. D'accord, ok. Donc oui, j'ai beaucoup fait ça en autodidacte, j'ai beaucoup énormément réparé comme ça. Et salut la meilleure des mangues, comment vas-tu le Jordan? J'ai vu que tu m'avais envoyé un message, mais j'ai pas eu le temps de te répondre. Je suis exactement comme toi, j'essaie d'expliquer ça à une amie qui veut acheter un ordinateur à son chéri pour son anniversaire, mais elle veut pas acheter d'occasion. Bah c'est très dommage à elle, parce qu'elle achèterait sûrement un meilleur ordinateur en reconditionné qu'un ordinateur neuf. Elle a beaucoup de budget ou pas? Ok, donc ça c'est chiant. Donc vous avez vu, en fait, on peut pas croiser. Les ordinateurs ont beau avoir les mêmes nappes, hein, c'est les mêmes connectiques et tout, mais on ne peut pas croiser un ordinateur qui a un connecteur 30 pins et une nappe, un ordinateur qui est fourni de base avec une nappe... avec une nappe 40 pins, comme ici. Du coup, on va pas faire ça. Parce que on va pas réparer celui-là.
Donc la carte mère est hoc de celui-là, on le notifiera et on le mettra de côté. Mais je ne vais pas réparer celui-là parce que bah, ça vaut pas le coup. Vu que je n'ai pas de dalle 40 pins en fait en stock. En tout cas fonctionnel, des dalles 40 pins, 40 pins fonctionnelles. D'ailleurs, comme je le dis très souvent sur le live, si jamais vous avez vos anciens ordinateurs portables et que vous souhaitez vous en débarrasser, n'hésitez pas à me contacter. Vos anciens ordinateurs portables, téléphone ou autre d'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter pour que justement, bah, plutôt que de le jeter ou en tout cas de vous en débarrasser sans que vous sachiez vraiment où est-ce que ça part et si vous avez des données à récupérer dessus ou quoi que ce soit. Gros avantage ici, c'est qu'au moins moi ça pourra me servir de pièce détachée. Puis bah vous faites un geste de plus en m'aidant justement à sauver un peu les ordinateurs. Enfin, à sauver un peu plus l'environnement, surtout pas vraiment les ordinateurs, mais surtout l'environnement. Bon, on verra pour remettre ça après. Par contre c'est bizarre parce que j'avais genre le. Donc la carte mère fonctionne, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va le garder comme ça, celui-là. Le ventilateur ne tournait pas du tout par contre, donc je sais pas si c'est qu'il est mort ou pas. Mais lui, bon, lui au moins, il est testé, on sait qu'il fonctionne, on sait qu'on a quelque chose à en faire, quoi. C'est juste que pour l'instant, n'ayant pas de dalle 40 pins, on n'a pas grand-chose à en faire dans l'immédiat. On va pas rebrancher la batterie. Hop. Hop, et hop. Donc voilà, donc lui malheureusement bah, il est assez incomplet. Hein. Donc on va le laisser comme ça. Et on va le mettre de côté. Pour une réparation future. Du coup ça veut dire qu'on va réparer celui-là. Celui qui est juste ici. Ça va et toi le frérot, t'inquiète, tu verras après le message. Pour le message, il y a des gros problèmes dans l'éducation nationale de toute façon. 800 euros de budget. Ah oui, en plus 800 euros, ouais. Il y a possibilité d'avoir un très bon ordinateur. Moi je nuance, ça va dépendre aussi de son budget, mais effectivement, il reste toujours une part d'inconnu pour l'occasion. Il faut apprendre à dépasser ça. Avant de partir sur des occasions sûres pour commencer. Effectivement, je lui avais trouvé un reco pour Amazon qui valait 1500 de base, mais il veut pas, c'est dommage. Il lui faut quoi, grosso modo? Bah, reconditionner Amazon Warehouse, je pense que ça va. Oui, Amazon Warehouse, ça va, globalement. Les gros entrepôts, évite, je conseille plus un magasin physique pour commencer. Franchement, c'est pas que ça. Un vrai reconditionneur va vérifier le reste, la fatigance des composants et tout. Bah, Amazon Warehouse, ils font ça aussi, hein. Attention, Amazon Warehouse, ils vérifient quand même que tout le matériel, il fonctionne. Cela dit, comme le dit Telly, moi, je préfère passer par un petit reconditionneur qui fera moins ça au format... machine. Alors, qu'est-ce qu'on a dans celui-là? Je crois de mémoire qu'on a un i3. De toute façon, c'est simple, on va faire comme d'habitude, on va lui mettre une dalle et on va bien voir. Mon tournevis, ici. Bon, malheureusement, aujourd'hui, on est sans le tournevis électrique parce que vous devinerez quoi? Comme de par hasard, j'ai oublié de mettre... J'ai oublié de mettre le tournevis en charge. Et du coup, bah, il n'y a pas de batterie. J'ai vidé la batterie avec le live d'hier. Alors ce qui est un peu chiant avec ce modèle là, vous allez voir ce qui se passe. Vous allez voir pourquoi c'est un peu chiant. C'est aussi pour ça qu'il partait à la benne alors qu'il fonctionne, mais regardez. En fait, il a brûlé en haut. Il a brûlé ici et il a brûlé ici là, surtout. Donc il faut que je remplace tout le bloc en fait écran s'il fonctionne bien. Donc lui il a bien de la RAM soudée ici. Donc ça veut dire qu'il a bien de la RAM déjà intégrée. Ce qui est noise. On va pas se mentir. D. Alors, comme celui-là, il n'est pas en très bon état et qu'il n'a pas de toute façon une très bonne configuration, je vais pas m'embêter. Ou au pire, vous savez quoi, je pense que je vais laisser celui-là en esthétique. En esthétique beauf. Oui, je m'en fous en fait qu'il soit... qu'il ait ce petit trou là-haut. Je pense que je vais le laisser comme ça.
Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de pièces détachées à volonté pour cet ordinateur. Ah oui, c'est ça. Ouais, bah vous savez quoi, on va le laisser comme ça. Je vais le laisser dans cet état-là. On va juste prendre du coup le repose-poignet de l'autre avec le clavier, parce que par contre du coup, bah, comme vous l'avez vu, je l'ai pas. On va juste piquer ça sur celui-là. Et puis voilà. Par contre, j'ai en train de réfléchir. 40 pins, 40 pins, 40 pins. J'en ai pas du tout une de 40 pins qui est au moins quelque chose qui marche un peu bien. Si j'ai une mat là, mais je préfère éviter de l'utiliser. Ligne. Ligne HS. Si, on va faire ça comme ça. Donc, bon, comme vous le voyez, c'est moi qui ai démonté ce PC. Donc, à la différence des autres, il ne manque pas toutes les vis. Elles ont toutes été récupérées dans un petit sac. Je ne lui ai pas demandé cette année, mais c'est du style projecteur, tablette graphique. Elle peut pas lever le bras pour écrire au tableau, mais bon. Salut Shaitan ! Je dis pas qu'il bosse mal, je dis juste qu'il y a 15 jours de délai de répa et qu'il faut renvoyer. Ah, mais la grande majorité du temps, dans tous les cas, c'est le cas, Telly. Hein. Il y a juste Dell qui vous propose de la J+1 et HP, du dépannage sur Cine. Voilà, tu prends les très vieux téléphones. Qu'est-ce que tu entends par très vieux, Saya? N'hésite pas à jeter un petit lien de ce que tu entends comme très vieux téléphone. Salut Umbrella! J'ai un magasin Cybertech à côté de chez moi, mais elle y a pas. Allez, enfin bref. Nickel électrochoc, et toi? Et donc quand tu rafistoles ces anciens PC, tu te sers de PC similaires ou juste de matos compatibles que tu prends d'autres PC, d'autres marques? Ça dépend. En vrai, Axel, je vais pas te mentir. Axwell, pardon. Je vais pas te mentir, ça dépend. Il y a des ordinateurs où effectivement... Attendez, la batterie elle est hoc. Ça m'aurait étonné. Je voyais le truc qui s'éteignait. Ah oui, mais parce que vous le voyez pas, vous. Ah, mais la caméra est mal posée, parce que là, normalement, vous êtes censé voir des trucs ici. Vous ne voyez pas le bout. La caméra est mal posée aujourd'hui, dis donc. Voilà. Encore un peu. Ah, mais j'ai compris. Pourquoi ? Ok. Et bienvenue, Braizounet. Dis donc, on a une invasion de Bretons aujourd'hui. Comment allez-vous, amis de Bretagne ? Vous voyez, ça clignote, là. Là, c'est vert, là, c'est orange... Ça, c'est-à-dire que la batterie est hors service. Welcome. On va avoir encore un clavier avec des touches. Ah ouais, ça y est, je vais pas en faire grand-chose, malheureusement. Mais tu peux utiliser Give, G-E-E-V, ou... non, c'est un Asus. Give ou... j'ai mangé le nom de l'autre. Au secours. Give ou donon.org. Qui sont deux sites qui vous permettent effectivement de donner à vous, de donner votre matériel, votre ancien matériel, si vous ne souhaitez pas le vendre, que vous souhaitez vous en débarrasser facilement. Il y a beaucoup de gens qui passent par ces plateformes, donc n'hésitez pas, plutôt que de jeter, c'est bien. Et du coup, bienvenue à 900 aussi. Bienvenue à toi. Merci pour le petit follow, ça fait super plaisir. Donc du coup, on va remonter le PC tel quel. Donc avec la dalle là qui est pas en très bon état, avec le haut qui est un peu fondu, parce que malheureusement je ne peux pas faire mieux. Et du coup oui, pour répondre à ta question Axwell, c'est vrai que ça dépend. De temps en temps je vais pouvoir remonter un ordinateur juste avec ses propres composants. Des fois je vais juste acheter des pièces détachées. Et des fois tu vois quand j'ai des tas comme le tas d'Asus là que j'ai sorti, j'ai plusieurs ordinateurs de la même marque avec tous des problèmes différents. Et là, ça va être plus intéressant, en fait, de remonter l'ordinateur avec les pièces de ses congénères. Plutôt que d'aller acheter des pièces. Et en plus, ça fait fonctionner les réparations. Ça utilise le matériel jusqu'au bout. Ce qui est un peu mon objectif, du coup, sur la chaîne. C'est d'exploiter le matériel à son maximum. Plutôt que de jeter... J'ai deux petites vis ici, faut pas que je les perde. Qui sont les deux petites vis du Sony. Et ça, ce sont les petites vis de lui.
Ouais, bah de toute façon, en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'il fallait un. Il leur fallait un moyen, entre guillemets, de gagner un peu d'argent, parce que c'est une plateforme qui est gratuite. Hein. Il leur fallait un moyen de gagner un peu d'argent, donc il y a forcément un abonnement premium et tout, pour récupérer des objets. Des objets un peu chers et tout, machin. C'est plus vraiment que du don, mais bon. Au moins, l'avantage, c'est que tant que moi, ça part pas à la poubelle derrière. D'ailleurs, l'ami Lucas, l'ami Roy Nobaka qui vient ici de temps en temps, qui m'a récupéré dans sa boîte. Alors, c'est des téléphones pro qui sont récents, hein, c'est des Nokia assez. Bon, qui doivent avoir peut-être 5-6 ans, mais justement avec des claviers à touche. Et en fait, j'ai toute une population de personnes âgées, notamment dans ma barre d'immeubles, qui se sont fait vendre sans vergogne des smartphones et qui sont perdus avec leurs smartphones, qui font pas de photos et tout. Donc, du coup, je vais pouvoir voir avec eux là pour leur fournir tout un tas justement de téléphones à touche qui sont bien plus pratiques pour eux. Vu qu'ils passent principalement que des SMS, voire pas grand chose. Et comme ça, je pourrais les aider à revendre leur smartphone. Dit qu'il a pris feu. Non, je pense qu'à mon avis, vu comment il est fondu en fait sur le dessus, Umbrella, je pense qu'en fait le souci, il a dû être genre mis en dessous d'une lampe, tu sais, genre une lampe à halogène. Et en fait, tout simplement, un soir, il a dû être oublié dessous la lampe et en fait, il a fondu. Il a fondu parce que vous savez, les lampes à halogène, ça projette beaucoup de chaleur. Donc je pense plus que on est dans ce cas-là, plus qu'un oubli et du coup un véritable prix-feu. C'est du fondu, hein, c'est pas du brûlé. C'est la différence, en fait, entre quelque chose qui a vraiment cramé et... Enfin, c'est la différence entre le Sony Vaio qu'on a traité en début de live et maintenant. C'est que là, c'est juste fondu, alors que tout à l'heure, le Sony Vaio, c'était vraiment brûlé, quoi. Pourquoi j'arrive pas à remettre... Ah, mais d'accord, je comprends. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi ça m'embête comme ça? Au secours? Ah, un peu trop enlevé. Voilà. Hop. Et coucou Zoé! Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu racontes de beau Zoé aujourd'hui? Ça fait plaisir de te voir ici. Je sais que tu m'avais dit que tu viendrais plus souvent maintenant que t'étais là entre midi et deux et ça fait super plaisir de te recevoir ici, copine. Non, même si je les garde, ça ne va pas à la poubelle. Mon fils joue avec. Bah effectivement, tu vois, tu peux en discuter Saya avec Telly là qui est dans les commentaires, qui a effectivement. Welcome. Ah. Et salut Meme Geek, Meme Geek hein, et bienvenue. Mais ouais, tu peux en discuter du coup, Kaya avec Telly qui est dans les commentaires, qui effectivement a aussi un fils geek qui joue avec les récupérations de papa et de maman et qui dépanne les ordinateurs en même temps que sa mère. Du coup, grâce à un ordinateur que je lui ai donné. Je sais pas si elle est partie, Telly, ou si elle est encore là. Petit passage pour donner de la force au streamer. Eh ben, c'est super sympa, Meme Geek. Merci beaucoup. Merci énormément. Et bienvenue parmi nous. Du coup, installe-toi, mets-toi à l'aise. Mais écoute, je taffe sur des petits produits à vendre. Ah, tu vends quoi du coup? Tu veux nous en dire un peu plus? Éventuellement pour voir si t'as pas une future clientèle cachée parmi les followers et les viewers de la chaîne. White Rose du coup, alias Zoé, une très très bonne amie à moi,
grâce à qui j'ai pu récupérer la petite Artemis. Donc le petit fond vert animé. Adieu. Le petit fond vert animé que vous voyez de temps en temps qui vient s'installer juste là avec plein de poils. Sans White Rose, je n'aurais pas ce petit bébé avec moi. Et je serais très triste. Du coup, vous pouvez tous remercier, remercier White Rose pour le, la mise en relation et la récupération du petit bébé. Je sais pas où elle est d'ailleurs, elle est où? Artemis? Est-ce que tu es dans le coin, Artemis? Quel âge avez-vous? Non? Donnez-moi un cadavre? Non plus? Le gif poilu, effectivement. C'est un petit gif poilu, le petit chat. Le petit chat. Alors par contre, comme l'ordinateur est pas dans un très bon état, j'aurais aimé éviter de lui mettre un 128. Oh, quoique, en vrai. Bon, déjà, le bloc écran est complet. Même s'il n'est pas en très bon état, il est complet. Hop, et hop. Ça t'intéresse toujours du monde. Et salut Cinélune! Comment tu vas? Ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Ça fait plaisir de te retrouver ici. Je vais faire des headsets fantasy pour du med, fan ou autre costume, ainsi que des commandes dessins et des sets pour scène Twitch ou autre. Bah écoute, il y a quand même franc moyen, super Zoé, que bientôt je sois ton client du coup. Si tu fais du, si tu vas faire du contenu Twitch et que moi il faut en permanence que je que j'améliore pour que j'améliore le stream pour faire venir pour que les gens restent avec nous. Oh non, vous savez quoi, l'autre il va garder sa batterie. Ah ouais, non, mais il a une batterie complètement morte, celui-là, par contre. Ça, ça ne m'arrange point. Je suis point arrangé. Est-ce qu'il a encore une batterie, celui-là? Je pense qu'il a encore une batterie, celui-là. Il me paraît un peu lourd pour un PC qui n'a plus de batterie. Une batterie et ça c'est pour le touchpad. Bon, de toute façon, comme on en avait déjà parlé, il y a de fortes chances que la batterie soit rincée dans tous les cas, parce que c'est malheureusement très souvent le cas de ces ces batteries là sur ces ordinateurs, elles sont toujours rincées. Donc bon, au moins il y a une batterie dedans. Parce que là, celle-là, celle qui est ici, elle est complètement morte, par contre. Elle n'est même pas trouvée par l'ordinateur. Oui, c'était il y a un moment, j'étais plus là, mais j'ai plus de temps pour moi. Ah, et bah écoute, Ciné, ça fait plaisir de te retrouver, en tout cas. Installe-toi, mets-toi à l'aise. Remets-toi à l'aise. Moi, ça me fait plaisir de retrouver des viewers de qualité. Salut Solide Seb! Tu es sur Twitch et tu parles d'assets Twitch. Tous les streamers sont partants. Ah bah oui, complètement.
Comment tu procèdes pour trouver une panne? Alors bah ça dépend en fait. En gros, c'est tellement divers et varié. C'est tellement divers et varié, du coup, Maître Yoda, que ce serait difficile de te répondre comme ça du tac au tac. En fait, ça dépend vraiment du type de panne que tu vas rencontrer, du type de problème que tu vas rencontrer. Motherboard, donc c'est l'inverse. Ça va dépendre de tout un tas de critères en fait. Du coup, ça sera difficile comme ça de te dire au tac au tac comment je fais. Il y a beaucoup aussi de connaissances, hein, parce que comme je vous ai dit, ça fait très longtemps maintenant que je fais ça. Donc j'ai aussi beaucoup de choses que je sais parce que j'ai les mains dedans depuis très longtemps maintenant. Est cool cette musique. Pourquoi ça colle pas? Hop, donc ça c'est branché, il ne reste plus qu'à mettre. Bon, est-ce que je mets un SSD de 128 Go? Combien il m'en reste? Putain, il m'en reste plus que 5. Après, en même temps, si je mets pas ce SSD de 128 Go, j'en ai pas de SSD en ce moment en fait. J'ai pas un 64 qui traîne quelque part. Non, mais de toute façon, je sais ce qu'il me reste à faire, il va falloir que j'en commande. Le mois prochain, faut que j'en recommande. Que je demande à mon fournisseur qu'il m'en mette 10 ou 12 de côté, là, comme j'avais fait la dernière fois. Toute façon, il n'y a pas le choix. C'est quoi la pile de trucs derrière toi? Hein? Tu veux parler de ça? Bah Seb, voyons, ça fait quand même très longtemps que tu viens, tu devrais savoir. Non? C'est des piles d'ordinateurs. Ce sont plein d'ordinateurs, des ordinateurs, il y a des téléphones, il y a un peu plein de choses. C'est la sainte pile en fait, c'est le lore de la chaîne. C'est loin, je vois pas. Ah oui, bah tu verras peut-être un peu mieux comme ça en fait. Regarde, c'est plein d'ordinateurs. Là. Il y a un casque, plein d'ordinateurs, une boîte de Lego. Parce que du coup, voilà. Des téléphones, là. Oups là. Voilà. Gloire à la pile. The Mighty Pile. En fait, c'est quand on parle de justement de sainte pile et tout. Seb, on parle de ça. Je vais surtout devoir retourner bosser. Bah bon courage à toi, Cinélune. Mais en tout cas, en attendant, merci beaucoup d'être passé, ça fait trop plaisir. La holy pile. Mais tu fais quoi de tout ça? Eh ben, ce que je suis en train de faire actuellement. À savoir, je répare, je remets en état, histoire que ça ne parte pas à la poubelle, histoire que ce ne soit pas jeté. Et je donne à des associations et à des écoles derrière. Pour justement bah, faire gagner. Toujours faire gagner un peu l'écologie, faire en sorte que justement tout ne parte pas à la benne. Tout ne parte pas à la benne. Je vais même faire des assets animes. Je vais voir s'il n'y a pas moyen d'ajouter des VFX aussi. Ah oui, tu rigoles pas, Zoé, quand tu te lances dans un truc. Putain, j'ai loupé un message. Surtout retourner bosser. C'est quel Asus celui-là? Alors attends, je vais te dire ça, on va le retourner. C'est un Asus avec une référence débile parce que chez Asus on fait que ça. Faire des PC avec des références débiles. Par contre, ça sont les trois vis qui tenaient le disque dur. Zut, je les ai mélangés. Des fois, je me hais un peu quand même, hein. Non, ça va, elles sont là. Ouais, c'est les trois là. Hop, hop. Attends, je remets le dessus et on va le retourner. Je vais te dire ça, du coup, Solid Seb. Mais en gros, c'est un gros 17 pouces avec un i3 5005U. Et avec 4 Go de RAM intégré. Ah bah si, c'est écrit là. X751L.
Et là, on vient de lui mettre un SSD. On vient de récupérer ça. Bon, normalement, il a un dessus... il a un dessus noir avec son clavier, mais bon. Vu qu'on n'a pas de dessus noir avec clavier, bah, on va mettre ça. Comme je le disais encore tout à l'heure, on fait avec ce qu'on a. On enlèvera le Nvidia GeForce parce qu'il n'y a pas de carte graphique sur ce modèle. Le pire, c'est qu'à part le... comment ça s'appelle ? Le haut un peu fondu, il est en très bon état. Il est vraiment en très bon état. Ah, Forêt, tu veux que je joue avec l'école ? Attends. Bah écoute, oui, si éventuellement, ouais, si tu veux voir avec ton école, voir s'il manque du matos. Par contre, ils n'ont que des tours maintenant. Bah, alors, que tu vois avec l'école s'ils en balancent ou si tu vois avec l'école s'ils en ont besoin. Parce que je pense pas que, malheureusement, j'ai le type d'ordinateur qui serve à ton école. On a quand même des configs et des ordinateurs un peu light sur cette chaîne à traiter. Donc, ce sont des configs vraiment... ouais. Qui risquent d'être à des années-lumière de ce qu'il vous faudrait véritablement à l'école. Mais bon, après, cela dit, rien ne t'empêche effectivement de demander. On ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut passer. Ils font pas mal de bureautique aussi. Ah ! Ah ! Bah alors pourquoi pas ? S'ils font de la bureautique, pourquoi pas ? En vrai, propose, hein, ça coûte rien. Mais par contre, je crois que c'est une école privée la tienne, non ? Ou c'est une école publique ? Parce que moi, ce que je préfère aider, c'est quand même le public, parce que le privé, ben, ils vous font quand même payer, quoi. Donc, ils ont du budget, généralement, le privé. Ceux qui sont plus en galère, c'est vraiment l'éducation publique. Mais bon, on sait jamais. Écoute. Essaie quand même, tu me diras. Salut, Mushi ! Je suis au taf, donc je mets pas le son. Alors, attendez. S'il est au taf, donc il ne met pas le son, il faut... dire bonjour à Mushi. Du coup, on va prendre... Non, ça, il y a un truc écrit dessus. On va prendre ça. Non, on va prendre quoi? Attendez, on va prendre un papier spécial. On va écrire bonjour à Mushi. Oui, parce que j'ai certains streamers ici qui régalent. Regardez, Mushi Moya, c'est le top donateur de la chaîne qui a offert des subs à absolument tout le monde. Donc, Mushi fait partie de ces gens où il faut leur dire bonjour de manière convenable. Regardez. Hop. Alors, moi j'aime bien faire des petits clins d'œil aux personnes qui viennent souvent et qui en plus sont des gros utilisateurs de la chaîne et tout. Donc vous me verrez très souvent de temps en temps prendre un petit bout de papier, un petit stylo, marquer 2-3 trucs. Ça fait plaisir, ça fait du bien à ceux qui sont tout le temps là. Alors, je veux. Donc ça et ça, ça va de côté. Et je veux une clé USB. Bon, on va enlever la... On va laisser la petite icône du i3, comme ça je sais quand même ce qu'il y a dans le PC. Mais par contre, vu qu'il n'y a pas de carte graphique, hop. Alors déjà, on va voir s'il s'allume toujours. Déjà, il s'allume toujours. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, il s'allume toujours, oui. SATA Configuration. Est-ce qu'il trouve bien? Voilà, donc il a bien trouvé notre SSD.
Bah écoutez, c'est parti, on lance l'installation. Bon, l'écran est sale, donc on le nettoiera bien comme il faut. Il y a une légère pliure ici. Ah, c'est bizarre par contre qu'il démarre comme ça. Il devrait pas. Pourquoi ça démarre comme ça? Après, c'est surtout pour savoir s'ils peuvent te filer le matos. Ah, d'accord, Zoé. Bah écoute, c'est super gentil. Merci beaucoup d'essayer, ça fait super plaisir. Le privé sera privé de tes services. Salut FX! Ça se ressoude des USB ou pas? Oui, ça se ressoude. On lui dit pas qu'il pouvait taper dans le chat, on le laisse galérer. Bon, je me casse. Bisous, Telly! Casse-toi pas trop vite et casse-toi pas en 1000 morceaux surtout. Pourquoi on garde toujours ces BIOS de merde et qu'on ne passe pas? Mais parce que celui-là, c'est un ordinateur qui est un peu vieux quand même. Il date de 2015-2016 à l'époque où justement... Maintenant, ils le font tous comme ça. On a fait des Asus récents où justement on avait le BIOS à la souris. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas hein, ce BIOS-là, par contre. Je suis trop content, mine de rien, parce qu'on a dépassé les 450. Je pensais pas que ça serait possible de le faire sur le live de ce midi, mais on y est arrivé. Du coup, vous régalez. Merci à tous. Donc, vous, il faut que j'en fasse un seul avec les deux, mais il me faut un repos... Ouh là, ah oui, c'est vrai que lui, il avait un coup juste ici. Et il lui manque une touche. Il faut que je vois si j'ai pas une touche qui traîne. Faut juste que je me souvienne où est-ce que je stocke les claviers maintenant de ça. Parce que vous savez, j'ai refait tout, je vous avais dit, mais j'ai réaménagé un peu le bureau histoire de m'y retrouver plus facilement. Et j'ai oublié. J'ai oublié où est-ce que je range les claviers pour pièces. Attendez. Peut-être je vais mettre 1000 ans à revenir. Peut-être je vais pas revenir. Je sais pas. On verra. Promis, je fais tout pour revenir en tout cas. Mais bon, vous savez, c'est un peu le bazar. Du coup, des fois, c'est un peu long. Au final, c'était pas trop long, je me suis pas perdu dans ma chambre, tout va bien. Du coup, on recherche un clavier Asus pour pièces. Pas le même clavier. Dell. Je l'ai jeté? Ah non, il est là. Ah, peut-être que je l'ai jeté parce qu'il n'était pas en bon état. Merde. Merdoum. Non, mais à tout moment, quand j'ai eu besoin de faire du tri, je vais peut-être jeter ce clavier auquel je pensais. Auquel cas, rip. Bon, après, il était hors service. Hein. Il n'avait plus aucune touche qui fonctionnait. Donc, mais non, du coup, il n'est pas là. C'est confirmé. Bon, bah il manque une touche. De toute façon, je sais. Il faudra juste que je demande à notre ami le partenaire touchedeclavier.com qui pourra me fournir une touche de clavier spécifique. J'aime pas. C'est le problème d'utiliser des musiques libres de droit, enfin des playlists libres de droit, c'est que du coup, il y a beaucoup de musiques que j'aime pas, comme j'aime bien le dire. Ah non, et même les nouveaux. Parce que c'est obligatoire en fait le BIOS. Mes premiers pas en BIOS datent de 98. Pourquoi sur les portables on n'a pas les BIOS graphiques? Mais parce que c'est ce que je te dis, on a des... Et finalement, tu ne t'y retrouves pas facilement. Ouais. C'est comme ça. Mais bon, j'arrive à m'en sortir quand même. Même si je ne me retrouve pas facilement, je m'en sors. Et non, SolidCep, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, les ordinateurs portables, maintenant, ont les BIOS, justement, au clavier et à la souris. C'est-à-dire avec, justement, avec les beaux BIOS graphiques. Les BIOS comme ça, ça n'existe plus aujourd'hui. Hein. Est-ce que vous pensez que cette batterie, elle tient un peu la charge? Moi, j'aimerais bien. Moi, je pense que ça serait bien qu'elle tienne un peu. Peut-être en plus que j'aurais déjà repreneur pour cet ordinateur s'il tient un peu.
pourrait être pas mal, mine de rien. Vous imaginez, aussitôt réparé, aussitôt donné. Ce serait une performance, somme toute, intéressante. Ouais, mais justement, les BIOS UEFI, maintenant, sont tous comme ça. Et d'ailleurs, ce midi, je me souviens qu'est-ce qu'on avait dit que je raidais, c'était mon ami Wissem, mon ami de toujours, El Famoso Mister Cool. C'était lui que j'avais dit que je raidais, je lui ai dit hier soir en plus, donc vous imaginez, en plus, je l'aurais pas fait, le pauvre. Ce sera lui qu'on raidera ce midi. J'essaierai de te retrouver du coup Solid Seb un BIOS UEFI encore accessible. Enfin sur les nouveaux, parce que de toute façon on a plein de nouveaux ordinateurs, enfin d'ordinateurs récents à traiter là, avec tout le bazar qu'on a tout autour. Est-ce que tu démontes les batteries pour récupérer les accus encore bon? Non, ça je ne fais pas. J'ai un contact sur Lyon qui vient récupérer les batteries chez moi et qui lui par contre le fait. Du coup je lui donne les batteries que je mets de côté et après lui il se débrouille. T'imagines déjà le temps que ça me prend de faire tout ça si en plus je rajoutais trop de... Enfin clairement si tu veux être efficace dans cette branche là il faut pas trop t'éparpiller. Faut pas se lancer sur 1000 sujets à la fois, faut pas se lancer sur tout parce que c'est le meilleur moyen justement... de te retrouver à la rue sur tous tes projets et au final de ne pas avancer. Et de finir par tout balancer parce que ça te saoule, parce que justement tu finis par pas avancer. Du coup, moi j'ai décidé une chose, j'ai décidé de laisser certaines branches à des gens qui s'y connaissent mieux. C'est pour ça que justement bah, j'essaye de choper partout des contacts de plein de gens pour justement que je jette le moins de PC possible. Le moins de PC, le moins de pièces détachées... Ouais. Ah, le coup de barre est réel, hein. Quelle heure il est? 13h53. Non, c'est normal, il est en train de faire son installation, il est pas en train de démarrer là. Là, on va avoir Cortana qui va nous dire bonjour. Bonjour. Allez Cortana, pédale plus vite. Il faut que je retourne travailler. Allez, encouragez Cortana dans le chat. J'étais électronicien maintenant de taille, j'ai toujours fait ça, résoudre le moindre petit détail. C'est Windows 10 que tu installes? Oui. Ouais, mais Gila, je t'avouerais, ça prend trop de temps. T'as vu le nombre d'ordinateurs que j'ai à réparer et tout, ça me prend littéralement trop de temps. T'as vu qu'en live, on arrive à peine à traiter deux ordinateurs à chaque fois. Quand on fait des téléphones, c'est un... Bonjour. Et je suis là pour vous aider. Quand on est bien élevé, on coupe pas la parole. Une connexion. Tiens. Ouais, ça me prend trop de temps. Par contre, Gila, tu as gagné quelque chose. Si j'arrive à le faire vite avant que tu t'en rendes compte. Est-ce que j'arrive à le faire vite avant que tu t'en rendes compte? Je vais pas du tout y arriver en fait. Je suis d'un mou. Waouh. Ah. Vu que t'es là à chaque fois. Ouais non, c'est super chronophage. J'ai vu que je fais pas ça à chaque. Vu que je fais pas ça. Bonjour Cortana.
Zoé, pour les gens que je connais, généralement, je les mets en modérateur sur la chaîne. Est-ce que ça te branche que je te mette en rôle de modérateur? Tu n'as aucune obligation légale d'utilisation, d'être modératrice ou quoi que ce soit. C'est juste que voilà. Pour moi, c'est plus facile, c'est plus visuel, c'est plus facile. Du coup, est-ce que tu veux hériter d'un petit badge modérateur ou est-ce que je te mets en VIP? Trop de temps, un ordi réparé par heure. Un ordi. Bah, moi, je trouve ça long, hein. À une époque, j'étais beaucoup plus efficace. J'étais beaucoup plus rapide. Je dirais peut-être pas plus efficace, mais plus rapide en tout cas. Maintenant, je trouve ça long comme performance. Salut Faroulande! Comment vas-tu? Tu étais chez Cabri aujourd'hui? Non, mais t'inquiète pas, Zoé. T'inquiète pas, je te mets le rôle et puis... Mais y a aucune obligation de modérer derrière, hein. C'est juste, je te dis, c'est plus visuel. Pour le rôle de modération, c'est plus visuel pour moi. Vu qu'on n'a pas la possibilité de vous mettre des badges, moi, c'est ce que j'aimerais, c'est que Twitch déverrouille la possibilité de créer des badges spécifiques. Ça, ce serait vachement bien. Mais vu qu'il n'y a pas la possibilité... Je me doute que c'est... Ouais, c'est quasiment fini. C'est qui Zoé? C'est White Rose Zoé. C'est une amie que je connais très bien. Et c'est la personne grâce à qui j'ai récupéré le fond vert poilu. Le gif animé qui nous sert de fond vert. Bon, qui n'est pas là aujourd'hui. Hein. Vous avez vu, pas de poil ici. Mais c'est une très très bonne amie. Avec son copain Lucas Roy Nobaka qui passe aussi de temps en temps. Et je suis très content d'ailleurs d'aller chez vous vendredi soir. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Du coup, je suis grave content. N'oubliez pas d'ailleurs les amis, live ce week-end. Samedi, on avancera et on essaiera de terminer les aventures de notre ami Jason. En espérant que bah, qu'on arrive à terminer le jeu. Et on commencera un nouveau, si c'est le cas. Si on arrive à terminer le jeu, on commencera un nouveau qui me tient énormément à cœur et que j'aimerais vous faire découvrir parce qu'il est très peu connu. Il est assez méconnu d'ailleurs même. Et dimanche, ça c'est un message à Mushimoya. Mais du coup, Mushimoya qui ne nous entend pas, dimanche on fera des Lego de 11h à midi. Une petite heure de Lego, juste voilà, un petit stream sauvage d'une heure. Parce que comme Mushimoya, il a donné plein de subs à tout le monde, l'objectif est de le remercier, vu qu'il adore les Lego et qu'il adore quand on fait des petits lives Lego, l'objectif est de le remercier, de faire un petit live de quelque chose qu'il aime bien. Mais en tout cas, Faroulande, merci beaucoup. Ça fait super plaisir que tu sois passé. On finit bientôt, effectivement. On n'a pas encore terminé tout de suite, mais j'espère que ta journée se passe bien. C'est un joli nom, mais je demandais, car je ne voyais pas de Zoé dans le chat. Ah, t'inquiète pas, ne te blesse pas avec l'épée. Non, attention, hein, Zoé, la boîte, elle paie pas. Enfin, vous pouvez ne pas avoir peur comme ça et dire oh, elle est trop mignonne et tout machin. Mais vous inquiétez pas qu'elle met des high kicks, qu'elle sort les épées ou elle se laisse pas faire, la Zoé. Tu fais des lives No Man's Sky. Non, j'ai pas aimé le jeu et je me suis promis de ne jamais rejouer. Désolé, Solid Seb. Regardez, popopo. C'était très fort. Par contre, c'est pas censé être aussi fort que ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah non, c'est pas fort pourtant. Ah mais si, je suis à fond. Ah mais si, c'est normal du coup que ça soit fort. Non, non, c'est normal du coup, j'ai rien dit. Du coup, la batterie ne charge pas. La batterie est morte. Je m'en serais... C'est somme toute étonnant de la part d'un ordinateur où les batteries lâchent super facilement. À ce tarif-là, je ne suis plus étonné de voir une batterie hors service sur un ordinateur de cette référence en fait.
Hop, allez, on va lancer la recherche et l'installation de mise à jour, et puis on va aller raider l'ami Blaster Cool, du coup. L'ami, non pas Blaster Cool, vous le connaissez sous le nom de El Famoso Mr. Cool. Parce que nous, pour nous, avec Zoé, il s'appelle Blaster Cool. Donc comme d'habitude, les amis, vous savez ce qui se passe quand on fait un live. Vous arrivez, vous foutez le dawa, vous posez vos follow, vous posez vos subs, vous faites plein de trucs chez nos super streamers raidés. Pourquoi ça a fait ça? Pourquoi ça a fait quoi, du coup? Ah, parce que j'ai appuyé sur un bouton. Eh ben, salut Solid Seb, à bientôt. Et oui, à vendredi, du coup, Zoé. Sauf si on se revoit pour les prochains, dans les prochains lives où tu passes, bien sûr. Du coup, comme on disait, du coup, El Famoso Mr. Cool. Hop. Du coup, les amis, c'était un live très efficace aujourd'hui. On a quand même fait deux PC de moins là-dedans. On s'en est quand même bien sorti. Du coup, bravo à vous. Regardez, on se félicite. Félicitons-nous. On se félicite, c'est très bien tout ça. Je suis très content de jouer avec ma soundboard, du coup, vous pouvez vous en rendre compte. Restez bien tous, hein, je vous vois tous partir, mais partez pas. Partez pas, parce que le but, c'est qu'on arrive en nombre, qu'on envahisse l'ami Mr. Cool, qui est en train de faire du Tales of Arise, qui est un jeu. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme information à vous donner. Découverte de Tales of Arise. Bah, apparemment, lui non plus, c'est pas ce que c'est, vu qu'il découvre. Du coup, merci à tous d'avoir été là. Comme d'habitude, merci d'avoir discuté aussi bien entre vous et de m'avoir aidé en étant là, en pouvant discuter aussi avec vous, en pouvant apprendre un peu plus, vous découvrir et vous connaître. Merci à tous. Vous êtes les kings. Vous pouvez vous féliciter. Vous pouvez littéralement vous féliciter. Vous féliciter, vous remercier entre vous. Ça m'a fait très plaisir, en tout cas, de passer ce temps-là avec vous. Merci encore, n'oubliez jamais les amis, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, foutez le bordel chez l'ami El Famoso Mr. Cool, n'hésitez pas. Si jamais il y en a des petits retardataires, n'hésitez pas à poser votre follow tout de suite, pour la simple et bonne raison, c'est que je vais lancer le raid maintenant. Donc n'hésitez pas, posez votre petit follow avant de partir, et sinon... On se retrouve tous sur la chaîne de... Ah, invalid username. J'ai mal fait mon copier-coller, dis donc. Merci beaucoup, Odel19. Tu vas me permettre de pouvoir régler mon problème. Welcome. Et merci beaucoup, Gentoo, du coup, aussi, pour les follow. Les petits follow de fin. Mais du coup, c'était un peu le fail, parce que je me suis planté dans l'écriture. Je sais pas où est-ce que je me suis planté, en vrai. El Famoso Miss. Ah mais oui, c'est pas Mister, c'est MR Cool. Et oui. Du coup, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et n'oubliez jamais, les amis, de réutiliser... Ah zut, j'ai oublié ma phrase d'outro, au secours. Mais réutiliser, restaurer, reconditionner, donner, mais surtout de ne pas jeter. La planète vous en remerciera et je vous en remercierai énormément. Une fois de plus, merci à tous, vous êtes les meilleurs. Ciao tout le monde et bon après-midi.